Bonjour, Ça fait plaisir d'être avec vous ce matin et j'avais à cœur de vous partager la foi qui abat les murailles. L'objectif de ce matin, c'est de mettre en pratique ce que l'on va voir. Et l'objectif, c'est de pouvoir dire avec le psalmiste dans Psaume 18:30 Avec mon Dieu, avec toi, je me précipite sur une troupe en armes avec mon Dieu, je franchis une muraille là vous avez l'exemple d'une muraille qui est abattue et nous allons voir ça nous allons voir ça en trois points nous allons tout d'abord nous intéresser mais, mais quelles sont les murailles dans nos vies on a souvent des, des, des a priori on pense à certaines murailles mais on en oublie d'autres en deux points nous allons voir quelle est ma réaction face à l'obstacle quelle est ma réaction vis-à-vis -vis de dieu et en troisième point nous allons voir des clés qui nourrissent la foi pour abattre les murailles. Parce que comme ça nous a été dit, nous, on voit l'obstacle, mais Dieu, il voit plus loin. Dieu, il est au point B, nous, on est au point A, et en face, il y a quelque chose qui nous bloque, mais Dieu, ce qu'il veut, c'est nous emmener plus loin. Dans Josué 6, verset 1, il est dit, donc vous savez de quoi je vais parler, je vais parler des murailles de Jéricho, on connaît ce texte, pour ceux qui sont nés dans une famille chrétienne, on connaît ce texte depuis très longtemps. Et mon regret, c'est que souvent on lit ce genre de texte, mais comme on lirait le nouvelliste. C'est-à-dire, c'est tout à fait normal. Alors, il y a tout qui est anormal dans cette histoire. Josué 6.1, il est dit, Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en entrait, personne n'y sortait. Le peuple d'Israël avait reçu un mandat, c'était de rentrer dans le pays promis. Ils traversent le Jourdain et voilà qu'ils se trouvent devant un mur. La première chose, voilà, ils sont déjà arrêtés. Voilà, on est au point zéro et ils doivent aller au point B, c'est-à-dire commencer à prendre possession du pays. Les Israélites voyaient un mur, une mur, un mur et ils pouvaient se décourager. Et nous aussi, Dieu a un plan pour la vie de chacun de ses enfants. Dieu a un plan et il veut nous emmener toujours plus loin. Comme ça nous a été partagé, il voit plus loin. Mais et il y a un mais, les murailles existent. Il existait pour le peuple d'Israël. Et elles existent aussi pour nous. Alors viennent face à ces murailles, viennent des questions. Mais pourquoi Dieu Pourquoi moi Qu'est-ce que j'ai fait Mais la question n'est pas juste. Il faudrait plutôt se dire pourquoi Dans quel objectif Pourquoi Dans quel objectif Alors, nous avons des exemples de murailles de nos jours. Nous, nous pensons à la maladie, nous pensons à des problèmes dans notre travail, nous pensons à des problèmes relationnels, nous pensons à des problèmes de finances, et chacun peut rajouter un élément à la liste. Cependant, ça va plus loin. On s'arrête là, on pense que les murailles sont seulement ça, mais non, ça va plus loin. Si on prend 2 Corinthiens 10, 4, 5, il nous est dit, en effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes. Grâce à Dieu, pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous, fons, nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Une muraille, une forteresse auxquelles on, on ne pense pas, ce sont nos pensées. Ce sont nos pensées qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Ces pensées, d'où viennent-elles Elles viennent de notre éducation. Elles viennent... De nos connaissances, mais elles viennent de notre orgueil. Laissez-moi vous raconter une histoire d'un vendeur de hot-dog qui était malvoyant et sourd, malentendant. Il ouvre son commerce au bord d'une route, met une grande publicité, vend de hot-dog, et puis, au fur et à mesure, les gens apprennent du bouche-à-oreille, apprennent, viennent, et il prospère. Et là, il a suffisamment d'argent pour envoyer son fils au collège. Son fils va faire des études. Et il va revenir une fois, un week-end, et il va dire, papa, t'as lu les journaux, t'as écouté la radio, t'as vu la télévision, l'économie est mauvaise, le chômage augmente, la récession est à notre porte. Le père, malvoyant, malentendant, ne pouvant pas lire, ne pouvant pas écouter, se dit, mon fils est intelligent, il doit avoir raison. Et alors, il a enlevé la publicité, arrêté de commander du, euh, du, de la viande, du pain. Et qu'est-ce qui s'est passé Ça a périclité. Son affaire a terminé. Il a mis la clé sur la porte. C'est Ce, les pensées communes autour de lui qui ont fait qu'il a perdu. Qu'il a perdu son affaire. Des pensées comme je sais, c'est comme ceci ou comme... Ou, ou, et pas comme cela. On a toujours fait comme ça. Qui connaît ça On a toujours fait comme ça. Alors pourquoi est-ce que maintenant je vais changer J'ai toujours été éduqué de cette manière. Alors pourquoi je vais changer Et parfois, je me surprends quand je lis la parole de Dieu je dis je pense que. Mais est-ce que c'est à moi de penser que Ou c'est au Saint-Esprit qui doit me dire je veux t'enseigner ceci Je veux t'enseigner cela Ces paroles, ces pensées mensongères, c'est terrible parce qu'en fait, ça peut nous faire croire que l'on est sauvé. Ça peut nous faire croire que l'on est du bon côté. Ça peut nous faire croire qu'on est à l'abri des murailles. Le riche, Amos 5, 18-19, il est dit Malheur à ceux qui désirent le jour de l'éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'éternel Il sera ténèbre et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qu'un ours surprend. Il gagne sa maison, appuie sa main contre le mur et un serpent le mord. Certaines traductions disent muraille. Appuie sa main contre la muraille et un serpent le mord. Et ça fait penser à ceux qui mettent leur confiance dans telle ou telle assurance. J'ai une assurance pour ci, une assurance pour ça. Il peut rien m'arriver. Et au final, il met la main sur quelque chose auquel il n'avait pas pensé et il va être détruit. Un autre type de muraille qui vient aussi des pensées. La fortune du riche est sa forteresse. Dans son imagination, elle est comme une autre muraille. J'aime cette traduction où il est dit Dans son imagination, à nouveau, une muraille vient des pensées. Vous connaissez toute l'histoire de cet homme que Jésus a pris en exemple, qui a fait des bonnes affaires et qui, qui va construire, qui a prévu de construire un hangar pour tout engranger, pour vivre jusqu'à sa retraite. Et Jésus va lui dire Mais un, tu es un insensé. Tu es un insensé parce que. Cette nuit, ton âme te sera redemandée. Tu t'appuies sur quelque chose qui est éphémère. Dieu veut faire tomber les murailles de nos vies, car elles nous empêchent de le voir, elles nous empêchent de le connaître. Si on reprend deux Corinthiens qu'on a vus avant, il y a nos pensées qui s'élèvent avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et Dieu veut faire tomber ces murailles. Et dans Deutéronome 28, il est marqué, l'Éternel parle à son peuple et il est marqué, l'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondera sur toi d'un vol d'aigle. Et un peu plus loin, il est dit, elle t'assiégera dans toutes tes villes jusqu'à ce que tes murailles tombent, ces hautes et fortes murailles dans lesquelles tu auras mis ta confiance sur tout ton territoire. Ce, ce, ce texte a été donné dans le contexte suivant, c'est que si le peuple d'Israël n'obéit pas à plus confiance en Dieu, choisit plutôt la mort que la vie, eh bien, Dieu l'a averti que ses murailles ne prévaudront pas contre lui. Alors, nous allons maintenant voir différentes réactions que nous pouvons avoir face aux forteresses, face aux obstacles. Tout d'abord, nous allons lire donc, Josué 2. Josué, fils de Nain, fit partir secrètement de Sittim deux espions en leur disant bah, « Vous allez aller à Jéricho, vous allez espionner. » Et vous allez voir ce qu'on y dit. Donc ils rentrèrent dans une maison d'une prostituée du nom de Rahab et ils y couchèrent. Et on dit au roi de Jéricho, voilà, il y a des, il y a des personnes du peuple d'Israël qui sont là, et le roi et qui sont rentrés chez Rahab, qui était connu bien entendu. Et le roi va envoyer des gens pour faire dire à Rahab, sors ces espions-là. Où sont-ils? La femme les deux hommes et les cacha. Puis elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi. Mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et au moment où on allait fermer la porte, à la tombée de la nuit, ils sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. Elle avait fait monter les espions sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elles y avaient arrangées. Ces hommes les poursuivirent par le chemin qui mène au guet du Jourdain. Et l'on ferma la porte après leur départ. Laissez-moi vous dire que le roi de Jéricho savait n'avait pas l'intention de donner une décoration à ces israélites il avait l'intention de les enfermer il avait l'intention peut-être de les tuer le roi de Jéricho avait tout de même confiance il avait entendu parler de ce que dieu avait fait à d'autres rois avant il savait ce qu'elle était sa finalité il avait peur comme les autres on va y, on va y venir mais il faisait quand même confiance à sa muraille il se disait c'est un peuple Quelques soldats, mais c'est surtout, c'est aussi des femmes et des enfants. Rien ne peut m'y arriver. Donc, il s'est élevé contre Dieu. Il a voulu mettre des bâtons contre ce que Dieu avait prévu. Mais c'était une cause courue d'avance, car Dieu résiste aux orgueilleux. S'appuyer sur sa muraille et s'opposer à Dieu, c'est la première des choses que l'on, peut-être que l'on fait ça. Et dans Jacques 4, 6, 7, il est dit. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu s'oppose aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. C'est pourquoi Dieu s'est opposé au roi de Jéricho et il a protégé les espions. La question qu'on peut se poser ce matin, c'est quand Dieu me demande de lui faire confiance dans un tel ou tel domaine, est-ce que je le fais ou est-ce que je m'appuie plutôt sur ma sagesse, sur ce que je sais Deuxième réaction possible, on continue la lecture dans Josué 2, donc les espions sont cachés. Rahab monte vers eux et il va leur dire, la terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Pourquoi Parce que tout simplement, on a appris ce que Dieu a fait au roi précédent. On a appris ce que Dieu a fait à Sion et Og que vous avez exterminé. En l'apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous. Voilà le secret. D'un côté, il y avait cette muraille. Le, le peuple d'Israël pouvait se dire, c'est le premier au sable, comment est-ce qu'on va faire Mais ceux à l'intérieur, en fait, ils étaient plus terrorisés que le peuple. Parce qu'ils savaient que c'était la fin. Le texte nous dit, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu des cauchemars. Et vous voulez échapper à telle ou telle situation et vous commencez à courir. Vous courez tellement que vous pouvez battre le record du 100 mètres. Mais en réalité, vous n'avancez pas. Vous êtes tellement abattu, terrorisé que vous n'avancez pas. Eh ben c'est ça. Le peuple à l'intérieur de, de Jéricho avait peur. Il attendait une chose. Il attendait comme les Gaulois. Ils n'avaient plus d'énergie. Ils attendaient comme les Gaulois. Je suis, j'aime bien Astérix. Ils attendaient comme les Gaulois en fait que le ciel tombe sur la tête. Ils n'avaient plus de force. Ils faisaient rien. Ils étaient abattus, sans force. Voilà une autre réaction que l'on peut avoir face à un obstacle. Est-ce le cas pour nous Est-ce que comme Jacques le fataliste de Diderot dit mais il fallait bien que ça arrive, est-ce que l'on dit aussi il fallait bien que ça arrive de toute manière, on n'a aucune, aucune chance, on n'y peut rien, on ne cherche pas la solution Troisième, troisième situation, on continue la lecture. Voilà Raab qui dit, nous avons perdu courage, mais c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut du ciel et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Je vous demande grâce, donnez-moi l'assurance que vous laissez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les leurs, que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent Nous le jurons sur notre propre vie, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre, les fit sortir. Ils allèrent du côté de la montagne et ils se sont cachés là pendant trois jours. Pendant trois jours, ils se sont cachés. Quelque chose de surprenant dans cette histoire qu'il faut souligner. Rahab, la prostituée, avait compris une chose c'est qu'elle était du mauvais côté de l'obstacle c'est est du côté de la mort, et que de l'autre côté, il y avait Dieu qui apportait la vie. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va saisir la grâce de Dieu. Elle n'a plus de force comme les autres, elle est découragée, elle se dit, je vais de toute manière mourir, je vais saisir la grâce de Dieu. Je vais, je vais demander à Dieu de, de me sauver, de faire quelque chose avec moi. Et je crois que les murailles, les forteresses, les obstacles, ce que... Les difficultés sont des opportunités pour nous ouvrir les cieux et saisir la grâce que nous avons en Jésus. Et vous savez, le plus beau de l'histoire, c'est que Rahab, Rahab, celle qui n'était pas juive, qui était prostituée, qui, qui n'avait aucune espérance, elle se retrouve dans la généalogie de Jésus. Et c'est encore possible pour nous aujourd'hui. Si vous lisez les évangiles, vous lisez la généalogie de Jésus, Rahab fait partie des femmes qui sont dans la famille de Jésus. Et c'est ça, la grâce de Dieu. C'est que l'on peut être perdu, on peut être du mauvais côté de l'obstacle. Mais on peut demander. On peut demander, Seigneur, viens à mon aide. Je suis loin de toi, je veux venir près de toi. Troisième, donc on crie au Dieu de grâce. Ô oh Dieu, écoute mes prix, sois attentif à ma prière. Des extrémités de la terre, dans ma faiblesse, je crie à toi. Conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre. Un, on s'oppose au résiste à Dieu. Deux, on ne sait plus quoi faire, alors on attend. De toute manière, on est perdu. Trois, on crie au Dieu de grâce. Et quatrième point qu'on trouve toujours en, en étudiant ce texte de Josué 2, les hommes, donc voilà, ils vont dire à Arabe, ils vont lui dire, bah, écoute, on va, voilà comment on va faire pour qu'on s'acquitte du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, tu vas attacher ce cordon de fil rouge à la fenêtre. Et tu vas ramener tous ceux qui veulent être sauvés dans ta maison, toute ta famille. Et tous ceux qui seront dans ta maison, quand nous on sera là, vont être sauvés. Tous les autres, s'ils ne veulent pas, ben ils vont mourir. En revanche, si on se trompe et qu'on attaque quelqu'un de ta famille qui est dans, 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 dans ta maison, alors ça sera de notre faute. Notre, son sang retombera sur notre tête. Et Rab répondit Qu'il en soit comme vous l'avez dit, il prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent. Puis elle attacha le cordon rouge à la fenêtre. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle a dit, vous restez trois jours cachés. Mais elle n'a pas attendu trois jours pour mettre le cordon. Dès qu'elle s'en allait, elle a mis le cordon. Elle a fait appel au Dieu de grâce, elle a eu ce qu'elle voulait, elle savait qu'elle allait être sauvée, mais elle a tout de suite mis en pratique. Et c'est ça le quatrième point. On sait que Dieu est avec nous, donc on agit. Et les disciples, donc ils sont dans la montagne, ils attendent trois jours et ils redescendent. Ils arrivent dans le peuple, devant, devant Josué, ils vont lui dire, c'est certain, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Je ne sais pas si vous avez fait le parallèle avec les douze espions il y a un peu dans Exode. Les douze espions s'étaient promenés, ils avaient vu toutes le, les bénédictions, ils avaient vu tous les fruits, ils avaient vu tout ça, ils avaient vu quelques géants, qui en plus, il n'est même pas précisé que les géants leur en voulaient. Là, les espions sont cachés. Ils savent que leur tête ennemie a prix, Tandis et ce qu'ils vont dire, ils vont dire l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains. Et les douze espions, s'ils reviennent en arrière, eux, ils avaient réussi à mettre le découragement dans tout le peuple, alors qu'ils étaient peut-être même pas poursuivis. Mais là. Les espions marchaient avec Dieu et lui ont fait confiance. C'est Dieu qui agissait. Ils savent que Dieu est avec eux. C'est ça qui est beau. En fait, en gros, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont obéi. Ils ont donné mis leur main, leur destinée dans les mains de Dieu, et Dieu a fait le reste. Il a fait en sorte qu'ils comprennent que Josué était livré. Mais alors, quel est le secret de cette fois Quel est le secret de la foi victorieuse. On entend souvent des choses sur la foi, mais quel est le secret de la foi qui abat les murailles C'est ce que nous allons voir. Première clé, croire que Dieu existe et qu'il veut nous répondre. C'est la première clé. Hébreu 11.6 nous dit la chose suivante. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Hébreu 11, 6. Qu'est-ce que ce texte veut dire Il veut dire la chose suivante. Croire que Dieu existe, ça signifie croire que celui qui a dit « Je suis avec vous tous les jours de votre vie », il le fait. Ça signifie que croire que celui qui a dit « Celui qui cherche trouve, celui qui demande reçoit, celui qui toque, on lui ouvre », eh ben c'est une réalité et le texte d'Hébreu 11.6 va même plus loin, il dit, Or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, ça sous-entend que sans la foi, il est impossible que les obstacles tombent, il est impossible que la route ne soit frayée. Ce, qui, ce que l'on peut comprendre que la foi est la clé pour avancer. Alors vous allez me dire, mais j'ai tellement peu de foi, j'ai tellement peu confiance. Et ce qui est enrichissant dans cette histoire, ce qui est bien dans cette histoire, c'est que Dieu est un Dieu d'amour. Et quand le, le, fils dans les, le, le Père a emmené son fils malade, un Père a emmené son fils malade devant Jésus, il va dire, mais Seigneur, peux-tu faire quelque chose Et Jésus va lui dire, mais tout est possible à celui qui croit, et qu'est-ce qu'il va répondre Le Père il va dire, mais viens au secours de mon incrédulité. Ce matin, on a un Dieu d'amour, demain, on aura un Dieu d'amour, et si on a de la peine à croire on peut simplement lui dire Viens au secours de mon incrédulité et Dieu va faire le reste. Croire que Dieu existe et qu'il veut nous répondre. Quand vous venez, que vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu veut vous répondre. Dieu veut me répondre. Il existe. Clé numéro deux les murailles, les obstacles, les forteresses nous sont déjà livrés. On est vainqueur. Même si les circonstances, les événements, les personnes le diable affirme le contraire. Si vous prenez Josué 6, j'aime bien faire attention aux petits détails. Josué 6, un des versets dit L'Éternel dit à Josué Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. À ce moment où Dieu parle à Josué, il est dit Regarde, je livre. Mais la muraille, elle est toujours là. Le peuple de. de, de, de qui habite Jéricho est toujours là. Les soldats sont toujours là. Mais Dieu a dit Je livre. Il n'a pas dit Je vais livrer. Il a dit Je livre. Et c'est comme ça que l'on comprend que le peuple d'Israël allait mener une bataille dont l'issue est déjà gagnée d'avance. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Colossiens 2,15, il est dit Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. En fait, les obstacles, les difficultés qui sont dans nos vies, nous devons comprendre une chose. C'est qu'en fait, ils sont là, c'est réel. Mais la victoire, elle est de notre côté. Pour aller au point B, la victoire, elle est déjà acquise. Et ça vient pas de nous, ça vient de Jésus. Dieu, il a tout créé, toutes choses parfaites. Le mal, le diable a fait en sorte que ça à un moment donné que ça ne comment dire que ça marche plus et c'est pour ça Dieu avait tout prévu d'avance c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus pour que nous ayons la victoire donc clé numéro 2 nos murailles nos obstacles nous sont déjà livrés vous comprenez on est déjà vainqueur numéro 3 obéir parfaitement aux ordres de Dieu, qu'ils soient simples et petits ou plus impossibles. Voyez, quand on lit Josué 6, la prise de Jéricho, vous connaissez sûrement, Dieu va dire à Josué, il va dire, tu vas faire sept fois le tour, les six premières fois, tu vas faire une fois le tour seulement, jouer de la trompette jusqu'au sixième jour. Le septième jour, tu vas faire sept fois le tour et c'est seulement... Quand on aura fait sept fois le tour le septième jour, que les murailles vont tomber. En plus, tu as mettre les soldats, les prêtres, l'arche de l'alliance, les soldats et le reste du peuple. Et ce qui est surprenant dans l'histoire, c'est que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, a obéi parfaitement. À aucun moment donné, il est mentionné dans le texte. Qui se sont révoltés, qui ont posé des questions. Pourquoi La question que je me pose, c'est moi, comment est-ce que j'aurais réagi Parce qu'il ne faut pas se leurrer. C'est complètement irrationnel qu'en faisant le tour autour d'un mur, le mur va tomber. Je ne sais pas si vous imaginez. Essayez de faire le tour de votre maison. Vous allez voir si le mur va tomber. Enfin, je. <laughs> Assurez-vous que. <laughs> non, c'est irrationnel. Alors, vous allez dire oui, mais Dieu, il a parlé à Josué et moi, je n'entends pas sa voix. Dieu, il a parlé à Josué, mais moi, je n'entends pas sa voix. Et la question se pose, est-ce que si on avait entendu ça de la part de Dieu qu'il fallait tourner sept fois selon un ordre bien précis, on l'aurait fait Alors que peut-être, je m'interroge aussi, qu'on n'est même pas capable de faire des petites choses. C'est pour ça que j'ai mis obéir parfaitement aux ordres de Dieu, qu'ils soient simples et petits ou plus impossibles. Obéir parfaitement, faire ce que Dieu nous demande. Ensuite, la clé numéro 4, obéir, c'est persévérer malgré les circonstances et apprendre à résister aux doutes. Est-ce que vous, vous êtes déjà posé la question de quelles étaient les pensées du peuple d'Israël qui faisait le tour de la muraille Alors le premier jour, ok, voilà, c'est un peu surprenant pour tout le monde. Le peuple d'Israël se souvient de la promesse de Dieu, donc il est confiant. Okay. Deuxième jour, il y a la tension qui commence à monter. Ils se disent, mais là, c'est un peu, on est en train de faire, je sais pas, quelque chose de la science-fiction. Et au fur et à mesure, la tension monte. Et, et puis, vous avez, je ne sais pas si vous avez imaginé, les soldats qui sont sur la muraille et qui commencent à se moquer du peuple d'Israël et qui disent, vous pourriez jouer un peu plus juste. On en a marre d'entendre, de vous entendre. Est-ce que vous croyez que vous allez gagner Est-ce que vous avez déjà imaginé ce que le peuple de Dieu pensait à ce moment-là? Faire quelque chose qui était, qui devait humainement pas fonctionner? Ben, ils l'ont fait, ils ont persévéré, ils ont obéi. Et encore une fois, à aucun moment, il est, il est écrit qu'ils se sont posé la question, ou même ils ne sont pas allés voir Josué et dire, mais Josué, t'es sûr là, tu es sûr qu'il faut qu'on y retourne hein non, ils ont fait parfaitement, ils ont persévéré. Et sûrement qu'il y avait des doutes. Mais ils l'ont fait. Luc 18 7 à 8, il est dit Luc à 8, il est dit Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit Tardera-t-il à leur égard Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il le doute sur la terre ou la foi sur la terre Jésus posait la question. Il a dit Dieu va vous faire justice. Mais quand je viens sur la terre, quand je viendrai sur la terre, est-ce qu'il y aura la foi ou est-ce qu'il y aura le doute Dieu a dit, donc il est fidèle à ses promesses. Et enfin, la cinquième leçon mettre Dieu au centre de la louange et de nos victoires. Et c'est ce que nous avons fait ce matin, c'est ce que nous avons été encouragés à faire louer Dieu. Vous savez J'aime cette image où il y a les soldats, les prêtres, l'arche le le, de l'Alliance qui est la synonyme de présence de Dieu à l'époque. La présence de Dieu. Il y a encore des soldats et le peuple qui suit. Dieu était au centre du peuple d'Israël. Et ce qui est aussi beau, c'est qu'ils avaient reçu cet ordre de se taire. Quand ils faisaient le tour, ils ne devaient pas parler. Ça doit être dur. Hein? Mais ils ont laissé Dieu agir. Ils ont fait ce que Dieu leur demandait, c'est-à-dire la louange. On peut interpréter ça comme étant de la louange. Ils ont mis Dieu au centre du peuple et ils ont tourné jusqu'à ce que Dieu intervienne. Notre devoir face aux obstacles, c'est de louer Dieu et de le laisser la place qui lui revient. Si on veut s'en sortir par soi-même, on est couru d'avance, on est découragé. Mais Dieu va faire le reste. On a invité à mettre ses clés, ses clés, à croire que Dieu existe, qu'il veut nous répondre. Que nos murailles, nos forteresses, on a déjà la victoire. Qu'on est appelé à obéir parfaitement aux ordres de Dieu. Qu'on est appelé à obéir, mais c'est aussi persévérer. C'est apprendre à résister aux doutes. Et je dis bien apprendre, parce que moi-même, avant des doutes, j'ai des doutes. Mettre Dieu au centre de la louange et de nos victoires. Et laissez-moi conclure par une histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon qui qui sait que son papa est un, un homme de parole et son papa rentre du travail et va lui dire :« Mon fils, il y a le cirque qui s'est installé dans le village où on habite et on va y aller. » Le petit garçon tout content. Savait que son père était un homme de parole, donc il se voyait déjà au cirque. Donc il se réjouit le soir quand maman vient le coucher. Il dit Tu sais, maman, je me réjouis d'aller au cirque. Je suis content d'y aller. Il n'y était pas encore allé. Le lendemain, toujours cette joie ne l'a pas quitté. Il va à l'école. Ses camarades de classe lui demandent Mais pourquoi tu es si heureux Qu'est-ce que tu as fait Non, je n'ai pas fait, mais je vais aller au cirque. Mon papa me l'a dit. Et ainsi de jour. Et le temps passe, et il se réjouissait toujours. Et puis, régulièrement, il allait vers son papa et il disait, « Mais papa, je te remercie parce qu'on va aller au cirque. » Il disait pas, « Papa, est-ce qu'on va vraiment aller au cirque ?» Il disait, « Je te remercie parce qu'on va y aller. » Et voilà le dernier jour, dernière représentation. Et le papa arrive en retard du boulot. Mais le garçon a déjà mis sa veste, il attend à la porte. Sa maman lui dit, « Mais que fais-tu Mais j'attends papa, on va aller au cirque. » Son papa rentre et ils vont au cirque. Voilà l'exemple de la foi, de notre attitude. Ces quatre clés, faire confiance, une confiance complète à notre Dieu. Et j'aimerais que l'on puisse prendre un temps de réflexion et j'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux et réfléchir à ce qui nous a été dit. J'aimerais faire deux appels. Le premier appel concerne des personnes qui, comme Rahab, savent qu'elles sont du mauvais côté. Savent qu'elles sont du côté de la mort. J'aimerais vraiment qu'on puisse vraiment fermer les yeux et, et, et puis se placer devant Dieu si c'est possible. Et ce matin, s'il y a parmi vous une de ces personnes qui a envie de connaître Jésus, qui sait qu'il est loin et qui veut sortir de la muraille qui est soi-disant quelque chose qui est censé le protéger, j'aimerais simplement qu'elle puisse lever la main. S'il y a une de ces personnes, sens-toi libre et lève la main si tu as, une, si, si as envie de connaître Jésus et que tu ne le connais pas encore. Y a-t-il quelqu'un parmi nous J'aimerais aussi faire un deuxième appel. Cet appel, c'est un appel d'encouragement. Peut-être que comme les espions, comme Josué, vous devez aller à un point B. Dieu nous a demandé d'aller à un point B et on n'y arrive pas. Alors, vous aimeriez avoir cette foi et vous, vous rendez compte que vous, que vous n'y arrivez pas. Alors j'aimerais vraiment vous inviter à, à, à vous lever à votre place pour qu'on puisse prier pour vous. Y a-t-il quelqu'un qui veut répondre à cet appel Puisse vraiment se lever à sa place. Et on va prier pour vous. Amen. Merci Seigneur pour la personne, les personnes qui ont envie d'avancer justement de bénir ma sœur et vraiment de lui renouveler sa foi. Merci Seigneur Jésus. Pour ce qu'on a pu entendre. Merci de la fortifier, merci de fortifier les autres personnes. Merci Seigneur Jésus, on a besoin de toi. On a besoin de toi pour aller plus loin. Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu fais par ta parole. Amen.